It's my birthday! Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 5. Tu es obligé de le faire puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Allez, arrête, on fait ça. Allez. Pour ce jour spécial, défi spécial, donc j'ai regroupé tout ce que j'aime. Des couettes, des tresses et des petits chignons. Alors c'est parti! Tu peux réaliser cette coiffure autant sur cheveux mouillés que sur cheveux secs, mais il faut d'abord bien les démêler. Première étape, il faut créer une raie centrale partant du front jusqu'en bas de la nuque, bien centrée et bien droite. L'importance de bien centrer la raie joue autant sur la symétrie de la coiffure que sur la matière. Il faut que vous ayez autant de cheveux à droite qu'à gauche. Une fois cette opération réalisée, vous venez bien accrocher un côté pour être tranquille. Maintenant, devant, il va falloir que tu crées un petit triangle. Évidemment, on base la pointe de celui-ci sur la raie centrale, comme ça on est sûr que le triangle est bien au milieu. Une fois les cheveux bien tirés en arrière et bien lissés, on vient créer une couette. Étape suivante, on va prendre le sommet du crâne et tu vas venir réaliser une autre séparation jusqu'en bas de l'oreille. Donc c'est une raie perpendiculaire bien droite qui part d'en haut jusque derrière l'oreille. Pour l'instant, on isole bien la chevelure arrière afin de ne pas être gêné. Maintenant, on va créer une autre séparation. Pour cela, on va partir du bout du triangle, bien droit, jusqu'au milieu de la dernière raie que vous venez de tracer, afin de créer une séparation dans la séparation. Petite étape très importante, les cheveux du bas, on vient les raccrocher à ceux de derrière. Puis, dans cette séparation, on va venir créer une succession de couettes, donc des séparations bien parallèles et bien égales entre elles. Attention, petit détail important, dans la première séparation, on vient prendre uniquement la moitié de la première couette. Donc pour bien qu'il y ait un côté à droite, un côté à gauche, et à chaque fois on récupère la couette précédente pour la mélanger à la suivante. On va réaliser cette étape jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la séparation. Donc en fait, plus votre fille a une grosse tête et beaucoup de cheveux, plus vous avez de couettes. Thank you.
Une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, je vous conseille de faire tout de suite l'autre côté. Donc moi, c'est vraiment pour vous montrer un tuto complet sur un côté. Mais vous, quand vous arrivez à la fin de ces séparations-là, refaites exactement les mêmes de l'autre côté. Donc comme je le dis tout le temps, faites attention à la symétrie de vos raies. Il faut vraiment avoir autant de couettes de chaque côté. Et sur la raie centrale, il faut que les séparations, elles arrivent bien au même endroit, c'est très important. Donc une fois que vous avez fini toutes vos couettes droite et gauche, on va venir libérer tous les cheveux qui se trouvent du même côté et on va venir les rassembler tous ensemble afin de créer une queue de cheval. Donc pour l'instant, que vous ayez choisi de le faire sur cheveux humides ou secs, c'est exactement la même chose. Prenez bien le temps de les lisser, de les coiffer et faites une queue de cheval assez haute. À ce moment-là, si vous avez choisi de faire cette coiffure sur cheveux mouillés pour plus de tenue, avant de tresser, il va falloir sécher les cheveux. Votre chignon sera beaucoup plus joli. Donc là, tout le monde en est au point où la chevelure est sèche et on va venir faire une simple tresse. Pour participer au défi, j'ai choisi de vous faire faire un petit chignon. Mais très honnêtement, si vous arrêtez la coiffure ici, elle est aussi très sympa et le défi sera validé. Sinon, la dernière étape de ce tuto est ultra simple. Il suffit d'enrouler sur elle-même la tresse en prenant soin de bien la plaquer sur le cuir chevelu et venir mettre des épingles pour fixer le tout. Et voilà, ce tutoriel coiffure super girly est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve sur Instagram pour participer au défi de la semaine. À bientôt !